Bonjour YouTube, début d'une vidéo bonus sur Doom. J'espère que vous avez apprécié la première run, qui était très très sympathique, très bonne découverte pour moi. Et une première épreuve runique, où je vais vous... première épreuve runique de cette vidéo, où je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a pu louper comme épreuve runique, parce qu'elles sont très intéressantes. Donc là, avec le pistolet, il va falloir détruire 30 barils, et on aura une nouvelle rune. Donc ça va être cool. Je ferai l'épreuve et puis après il y aura une coupure avec la prochaine que j'ai loupée dans un autre niveau, etc. Et ça fera une petite vidéo sympathique parce que les épreuves sont intéressantes à voir. Voilà. Ouais, j'étais en mode tryhard, je voulais pas me louper du premier coup. Et donc voici YouTube. Et nous on se retrouve pour la prochaine épreuve runique que j'ai loupée. Désolé, j'étais super concentré, la prochaine fois j'essaierai de parler. Re-YouTube, deuxième épreuve runique qui a été loupé lors de la première run. On l'a pas lancé au cours du niveau parce que sinon ça me renvoie au menu principal. On a fini le niveau, on a fini de récupérer nos secrets tranquillement, tranquille. Et du coup, l'épreuve runique maintenant. Donc, armé du shotgun, il va falloir éliminer 10 rétifs avec des barils explosifs avant la fin du temps imparti. Donc ça va pas être facile, donc si je parle pas, c'est normal. Et j'ai un PV. Ok. Allez, ramenez-vous, ramenez-vous. Ramenez-vous par là. Yes! Premier coup, first try. Ça c'est fait. Et donc, on se retrouve dans 2 secondes pour toi, pour nous un peu plus lointain, sur une nouvelle épreuve runique qu'on aura débloquée. A tout de suite. Re-YouTube. On a débloqué une nouvelle épreuve runique que j'avais loupée lors de la première run. On va utiliser le shotgun pour éliminer toutes les cibles avant la fin du temps imparti. Les niveaux de santé sont critiques. Servez-vous de l'armure pour survivre. Et les glory kills nous permettront de récupérer des éléments d'armure une fois qu'on aura la rune sur nous. Alors... Et... Ah! Je me suis fait avoir, bon. Pas first try pour celle-ci, dommage. Il a lancé entre l'escalier et le pilier. Bien joué lui. Eh non. Je l'ai vu sauter, c'était mort.
J'avais pas le temps de sortir de son attaque. Donnez-moi une meilleure arme. Ok. Bam! Ça c'est fait. Et voilà YouTube, je t'ai coupé les tentatives hein, parce qu'il y en a eu énormément, j'ai un petit peu galéré sur cette épreuve runique. Ça n'a pas été du first try, j'en ai mis peut-être deux ou trois où je loupe au début et puis là, la victorieuse. Et on se retrouve dans quelques instants pour toi et pour le live et moi-même un peu plus long pour une autre épreuve runique qui a été loupée. Je pense pas qu'il nous en reste beaucoup. Mais c'est du sport. A tout de suite YouTube. Re-YouTube, on est sur du coup la fin de cette vidéo sur les épreuves runiques que j'ai manquées lors de la première run de cette petite vidéo bonus. Et les deux dernières ont été débloquées sur le niveau que je viens de finir en live. Niveau où il y a le premier boss du jeu. Et donc on va commencer par une épreuve avec le lance-roquette. Donc avec le lance-roquette et les ressources trouvées sur zone, éliminez toutes les cibles avant la fin du temps imparti. Vous ne récupérez aucun butin sur vos victimes. Donc c'est parti. Ça a été vite. Ça a été super vite. La roquette à 2 mètres, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Donc je disais 14 éliminations à faire. Je me suis coincé dans un coin de la zone, c'était sûr. Ah, je l'ai loupé. Ils n'apparaissent pas au même endroit. Attention, on va pas se bloquer. Ouais, ça c'était pas de chance. J'ai tiré au moment où il a apparu. Ah non, pas toi. Ah non, 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 non. Pas eux. Surtout pas eux. Super. Faut vraiment que j'arrête de tirer. Voilà, faut vraiment que j'arrête de tirer à 2 mètres de moi. Faut que mon cerveau imprègne que roquette égale danger et égale explosion surtout. Ouais.
30 points de vie. Si tu veux que je fasse. Qu'est-ce qu'il va tuer là? On va y arriver, on va y arriver. La question, c'est juste quand? Plus que 4. Ouais, c'est toi qui reste. Yes. Voilà. Et d'une. Donc YouTube, hein, évidemment, j'ai fait une petite ellipse sur les tentatives parce que là, c'était long. C'était très très long et très très compliqué. Et on enchaîne normalement avec la dernière des épreuves runiques. Je vérifie bien que c'est celle-ci, oui. Donc avec le fusil Ghost et les ressources trouvées sur zone, éliminez toutes les cibles avant la fin du temps imparti. Les niveaux de santé sont critiques et vous ne récupérez aucun butin sur vos victimes. Ça va être compliqué également. Ouais, un point de vie, ça va être très très compliqué comme mission. Ouais. Il m'a pas laissé le temps de charger. Ah, c'est pas des points de vie ça en fait. Ah, chaud. 9 cibles à éliminer comme ça. Heureusement que j'avais pas fait ça avec le... avec le lance-roquette, j'aurais jamais réussi. Là, faut viser. Ouais, non, mais le temps il est trop chaud, il est trop court le temps. Évidemment, c'est apparu derrière moi. Donc, quoi que ce soit derrière moi. Bon, c'est au-dessus. Il a volé. Non. Non. C'est bon. Je l'ai vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu à la dernière seconde. C'était vraiment une belle frayeur.
que ce dernier diablotin qui est apparu. Eh bien, voilà YouTube, c'est la fin de cette petite vidéo bonus. C'était les petites épreuves runiques qu'il manquait sur la première run. Donc, il en manquait que 5. Ça va, on a plutôt bien fouillé. Certaines étaient quand même bien cachées dans les niveaux, dans des endroits assez secrets. Donc ça, c'était le côté un peu intéressant à te montrer, un peu plus, on va dire, oui, intéressant, c'est le mot, hein, je me répète, pour toi, YouTube, puisque bah, de revoir les niveaux que tu as déjà vus, et que bah, je fais juste de la fouille à droite à gauche pour récupérer les secrets, c'est pas non plus le plus intéressant. Donc voilà, ça c'est cette première vidéo bonus. Tu auras, alors je dirai pas bientôt, parce que pour te montrer où on en est, on a fini le laboratoire Lazarus, mais il nous reste encore 1, 2, 3, 4 niveaux à ce moment-là à explorer entièrement, à terminer. Et puis après, il y aura la deuxième vidéo bonus et la fin de ce let's play sur Doom 2016, le niveau UAC, station UAC. Donc le premier niveau en ultra cauchemar, et ça ce sera un challenge d'ampleur, mais ce sera dans quelques temps. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine sur YouTube, peut-être pour du Doom, peut-être pour le prochain let's play en live, peut-être pour le prochain let's play enregistré s'il est bientôt fini. Et en attendant, bah, portez-vous bien et à la prochaine.